Hey, salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, se retrouver aussi pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne. Aujourd'hui les amis, ça va être une petite vidéo sur Opsifight. Dans le fond, on va juste faire un petit PVP sûrement ensuite, mais il n'y a pas beaucoup de gens, il est quoi, 16h chez moi, donc il est tard. J'ai pris 6 clés sur la boutique et il y a des nouveaux déguisements qui sont sortis, donc je vais attendre peut-être à la fin de la vidéo ou peut-être dans une autre vidéo pour vous... Oh, j'étais sûr qu'on avait eu des spawners. Pour vous montrer des déguisements. Il y a vraiment des déguisements qui sont vraiment sympathiques que vous pouvez vous procurer sur la boutique en, bien sûr, en PB. Mais bon, j'espère qu'ils vont faire en sorte qu'on peut les atteindre, les obtenir plutôt dans le jeu aussi. Donc là, let's go! Oh, encore des blocs d'obsidienne, tabarnouche. Oh là 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 là. On va essayer de faire un coin flip aussi avec l'argent qu'on a aujourd'hui. Un PVP, un coin flip. Et les résultats du gagnant aussi du dernier concours. Donc, ce que j'ai fait, c'était de gagner tous les items qu'il y avait dans mon Under Chest avec le spawner à Pig Zombie. Je vais vous dévoiler le gagnant tout de suite après. J'aimerais ça choisir quelqu'un qui joue encore sur Opsifight, vu qu'il y a plein d'autres serveurs qui ont encore ouvert. Donc, on va choisir quelqu'un qui est connecté en ce moment dans le chat. On va leur demander des questions sur ma chaîne YouTube, etc. Puis, on va choisir une personne entre elles parce qu'ils sont, il est tard, ils sont encore sur Opsifight. Ils aiment Opsifight, quoi, ça paraît. Ça c'est vraiment bon comme épée. Et notre dernière clé, donc ça paraît qu'il aime le serveur, etc. Donc en espérant qu'il soit chaud et qu'il... Oh ok, super. Qu'il soit chaud et qu'il qu'il veulent bien gagner. Comme vous voyez, il y a plein de gens avec un T-Rex, etc. On va gagner, on va donner à quelqu'un d'entre eux. What the fuck. Ok, bon ben nice I guess. Je regarde une clé à chaque fois. Wow, ok, lol. Come on. Ouh, 4 Xenotium, ça c'est super bon les gars. Ouloulouloulou. Salut les amis. On va dire salut les amis, hein. on est gentils. On va aller voir si notre Sky s'est pas fait pied aussi. On va sûrement choisir une personne dans le chat pour donner notre truc. Quand tu le fasses en rec. On va juste lui dire, Balta, c'est un piège. Comment? Tu files une clé, j'ai plus de clé, jeune homme. Malheureusement, navré, mon beau garçon. J'ai aussi des blocs à péter de ça. Donc, ça, on va casser ça. On va éliminer ça avec ça. On va choisir quelqu'un pour lui donner nos trucs. Donc, ça, ça, ça. Et j'avais dit que je donnerais ça. Là, nous, on s'est fait une nouvelle épée comme ceci. Donc, on va. Je vais poser une question. Le premier qui répond correct va gagner max item. Vous êtes prêts? On va leur demander combien il y a de vidéos Opsifight que j'ai fait de cette version. Sauf que je sais pas, donc on va aller vérifier tout de suite. En fait, les amis, on est rendu à 9 vidéos sur Opsifight. Celle-ci sera notre 10e vidéo. Donc, on va y aller. Bon, j'ai trouvé. Combien j'ai fait de vidéos sur cette version, on a rendu bien terminé, de Opsifight. Ouf, combien ils vont dire? On est rendu à 9, les amis. Il faut qu'ils disent 9. Le premier qui dit 9, 6, non. Malheureusement, non. Ce n'est pas 6. 11. Ouh, lui, il est proche. Lui, il est proche. 11, non plus. Non plus. 20, non, 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 quand même. Oh, 7, il se rapproche, Terminator. 8. 10, il a sauté le 9. 9, Terminator. Terminator. Bien joué, même si tu as un peu spam tous les numéros. Je vais te le donner. Viens au spawn, s'il vous plaît. On va lui donner à lui. Même s'il spam un peu tous les numéros, si c'est quand même le premier à le faire. On va lui donner tout ça. Nous, on va aller vendre ça après. Et, non. C'est 9, je suis en train de filmer la 10e. Donc, c'est quoi son pseudo? C'est Trade Terminator. Oh, voyez, lui, il y a un truc, ça me fait plaisir de le donner parce qu'il a acheté un costume. Donc, on va lui donner ça, 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 deux pump sheet, ça, plus ça. Félicitations, jeune homme. Voilà mon ami, apprécie bien tes trucs. Et nous on va éliminer. Profite bien de ces items Terminator.
Bon, nous, il nous reste quoi? Il nous reste ça, plus ça, on va aller PVP ensuite avec ça. Il nous reste un peu d'XP. On va aller prendre les blocs d'XP d'ailleurs. Donc, on va faire ça, on va aller à notre sky. À tout de suite. Marc, il y a plein de gens qui ont des déguisements comme lui. Il voulait faire un. Il voulait faire un skin avec moi. J'ai dit, ok, mais regarde, j'ai remarqué qu'il y avait un déguisement. C'est vachement cool, les déguisements. J'aimerais ça que. Qu'on les teste, genre, qu'on regarde à peu près tout ce qu'il donne et tout. Regardez, lui, c'est un genre de sac. Lui, c'est plus une affaire d'archer. On dirait plus un truc d'archer. Je pense pas que ça dérange niveau combat, etc. Ça me fait plaisir d'avoir pris un screen avec toi. Lui, il a déjà mis les items qu'il avait eu. Mais son stack de guerriers, il est vraiment stylé. Faudra voir s'il y a pas d'autres trucs. Je pense que si on fait warp. Attends, sans que tu spawn, on peut y aller. De toute façon, on va aller vendre nos minerais. Mais je pense qu'on peut les voir, les déguisements. On peut même les essayer. C'est ici, oui. On peut les essayer. Je pense qu'il y en a plein. Sérieusement, sur la boutique, il y en a énormément. Mais on peut-tu les voir? Sac à dos archer. On clique dessus. Puis là, regarde, voyez, on l'a. Ah, ça, c'était pas le sac à dos archer qu'il y avait, lui. C'était sûrement le sac à dos assassin. Alors, là, il y en a deux, un par-dessus l'autre, faut attendre. Mais en gros, c'est, ouais, c'est vraiment cool. Faudrait essayer d'en mettre un jour. Ce serait d'en avoir un. Ça coûte des points de boutique. Donc, on verra en faisant cette vidéo-là. Quand vous, plus qu'à notre vue, plus que je gagne de points de boutique, dans le fond. Fait avec ces points de boutique-là, j'essaierai de vous proposer. On cherchait l'admin shop. Hein. J'essayais de vous proposer de faire gagner un déguisement et puis aussi d'essayer d'en avoir un. Donc, il faut faire à peu près 2-3 000 vues pour qu'on puisse être capable. On en a combien? Hop là, on en a 54. Fait qu'on va en vendre 54. Ça va nous faire un peu d'argent. Et on va faire un coin flip tout de suite après. Donc, ça, on va en vendre 37. 57, j'en ai, je pense. Oup, quantité 57. Voilà, et on va aller péter nos blocs d'XP, on va faire un coin flip ensuite avec les 1000$ qu'on a, espérant monter jusqu'à plein d'argent. A tout de suite. Ah, on a un autre message, salut, c'est iCod, c'est Apulia. Cette scan a été à Chief, puis comme lui, Olive, dans le fond, il a pas dit ou je sais pas quoi, il me l'a pas donné. Donc, ouais, on a pas pris les stuff, ne t'inquiète pas mon beau garçon, on a pas pris les stuff, etc. Mais on a encore notre spawner à Witch, je crois. Witch, j'espère qu'il est encore là. On avait fait une farm dans une des dernières épisodes, si je me souviens bien. On va juste aller visiter, voir si il est là. Oh, je pense qu'il n'est plus là, les amis, malheureusement. Sinon, je pense qu'il ferait du bruit, non? Non, il est encore là. On a encore un spawner à Witch, les amis. Oh, bah, ok. D'accord. Je vais poser mes blocs d'XP. Ok, donc, j'ai miné les blocs d'XP, ça nous a fait 38 XP. On peut-tu stack les bouteilles d'XP là-dessus? Non, je pense pas. Mais il nous a dit qu'il y avait un pillage pour nous, donc on va juste vite fait... Oh, on peut pas mettre ça. Ok. Donc, il y a un pillage. Ok, mais... Ok, wow. Super. Je vais faire un set home ici. On va s'occuper de ça dans une autre vidéo, les amis. Parce que pour l'instant, j'avais déjà un plan pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc, un gros merci à toi, mon copain. C'est super mignon. Il y a une autre boss là qui s'est fait un peu défoncer. Ok, il faudra faire. Comment je pourrais le piller? Bonne question. Oh, pareil. J'ai montré les coordonnées, on s'en fout. Vous allez pouvoir venir le piller avec moi à ma place. Je peux faire un truc en échange. Je peux avoir un truc en échange. Tiens. Oh, j'ai lancé ma pioche, il l'a pas pris. Oh là là, TP toi, j'ai un don. On va se TP à Panda pas legit, on va faire un coin flip avec lui après. Message Panda, ok. CF, 1K. Je suis pauvre. Lol. CF, create 1000 sur Tails. Tiens. C'est tout ce que j'ai, les amis. C'est ma dernière fortune. Va-t-on gagner, les amis? Voyons voir. Ça a débuté, les amis. Allons-t-on gagner? Ok, ma vie est finie. Adieu. Ok, Panda pas legit nous a TP finalement. Il veut nous faire un don, donc on va prendre son don. Et ensuite, on va aller faire un petit PVP combo à la main. What the fuck? Oh, il nous donne une Dino TNT. Wow! Et il nous donne aussi des têtes de Wither, des blocs de... titanium et un gros merci à toi mon ami. Message oui, merci à toi mon copain. On va lui donner. Ah, oh, on n'a pas d'Under Chest. C'est dommage qu'on n'ait pas accès à l'Under Chest. J'y aurais fait un petit cadeau moi aussi. On va retourner au spawn. Regarde la monnaie. Regarde ma monnaie plutôt. Peut-être ça qu'il voulait dire. Hein. Panda pas legit. Wow, t'es riche. Message Panda, il a plutôt beaucoup d'argent lui.
Donc, on a pas mal de blocs. Je vais lui donner. Est-ce que je lui donne un corps en truc comme ça? C'est comment maintenant? Est-ce que c'est comme ça? Oh, ouais, attends, what the fuck? C'est quoi déjà pour faire un corps? Ok, on peut plus faire de corps en xeno. What the fuck? What the fuck? Craft. Corps. Ça prend un corps en obsidienne. What the fuck? Depuis quand? Oh! Il y a un abonné qui nous donne 3 kebabs plus une épée en obsidienne. What? Un gros merci à toi, mon ami. Ça nous prend un corps en obsidienne. On a tous vendu notre obsidienne comme des cons. Aïe aïe aïe. Oups, alors. Bon, ben, c'est pas grave. C'est la vie, I guess. Je savais pas qu'il fallait faire ça comme ça. Donc, tant pis pour nous. On fera un concours avec nos obsidiums, notre Xenodente et on va utiliser sa T5 à lui. Je me prépare pour le PvP. Attends, c'est pure plus good. Donc, on va PvP contre Panda pas legit. On a un orbe de réparation. On a aussi plusieurs autres trucs. Je sais pas si on est. Ouais, on est à Tita. Je pensais que la dernière fois dans ma dernière vidéo c'était obsidienne, mais non, en fait, ça n'a pas l'air de ça. Donc, on va mettre notre orbe de réparation ici. On va mettre une potion de speed, une potion de heal. Je sais pas comment ça va fonctionner. Ça nous donne quoi déjà? Force, ce speed. Et on va prendre 2 cœurs de plus. Et c'est parti. On va fight jusqu'à la mort en espérant de gagner. Ah, j'ai pas pris de fire résistance. Zut de flûte, les amis. Ah, donc ça peut nous niquer peut-être. Je sais pas. J'ai une petite debuff par exemple, je pourrais le debuff si vient le moment opportun pour le debuff. Ok, il faudrait essayer de le drop. Ok, je vais essayer de ne pas parler 1 million de fois. 1 million de fois. Oh, pardon, 1 million de trucs comme d'habitude. On va essayer de le debuff vite fait. Boum. Ah, il nous a pas suivi, zut de flûte, je me suis auto-poison. C'est quoi, c'est une régène? Je vais voler ta régène, mon beau. Désolé, mais tu comprendras, c'était important pour moi. Je vais vite fait désactiver le chat. Voilà. Je vais pas pouvoir voir si tu me dis stop ou quoi. Désolé copain. On se bat jusqu'à la mort de toute façon. Hein. Si je perds mon stuff, c'est pas très grave. C'est le but du jeu. Hein. De toute façon, on peut pas toujours gagner, les amis. J'ai pris énormément de speed, énormément de force. Je voulais être sûr de pas en manquer. Mais je pense que j'aurais dû prendre des heals. Parce que la dernière fois avec mon truc obsidium, je sais pas si vous avez remarqué la dernière vidéo, mais je prenais presque pas de cœur. Tandis que dans avec cette armure-là, on prend beaucoup de cœur. Donc, hop là, on se fait démolir, on gagnait bien, et puis là, on s'est mis à faire de la merde. Il faut pas item block, j'ai l'impression, sur ce truc-là, ça sert pas à grand-chose. Il a fallu drop, je crois, parce qu'il a genre paniqué, il a lancé plein de potes. Je vois pas le chat, gros, donc désolé si t'es arrêté ou quoi, je peux pas deviner non plus. Ok, il voulait pas arrêter, je crois. Sinon, il y aurait sûrement fait les Singali. Donc, on va se mettre un speed et on va continuer à faire. Let's go, let's go, let's go. On est capable. On est capable, les gars, on est capable. On est capable, oui. Non. Ok, Panda pas legit, il est pas plutôt legit jusqu'à maintenant. Ah, oh, il va heal, calé, je suis con. On va prendre un biscuit en amésis. C'est des biscuits en obsidienne, quelque chose. En obsidienne ou en tita qu'il nous fallait pour avoir régène, je crois, qui était vraiment bon avec force 2 puis speed. Mais là, regarde, on a ceux-là qui donnent force quand même déjà bien. Si on devrait le tryhard, genre un peu. Genre après avoir été capable sûrement le quick pop, de quick drop plutôt. Genre en ce moment, genre là, là. Là, là, c'est le moment. Non, c'est pas le moment, les amis. C'est nous qui va drop. Je me suis mis en t-shirt, je sais pas pourquoi, juste pour la dégager de mon inventaire, je crois. Ok, c'est là qu'on tryhard. Let's go. Là, on va tryhard, les gars. C'est ça, faire smic, en fait, c'est ça qui nous fait le fucking mal. C'est qu'on perd notre speed 2 ben, assez facilement. Aussitôt qu'on est touché, regardez, on peut pas sauter ou quoi. Là, lui, il va sur speed 2. Et là, oh. C'est heal juste une fois, on va juste s'éloigner ici comme ça, the heal, boom. Ah, come on man, moi je peux me réparer, mais j'ai pas de pommes ou quoi,
Je vais perdre mon orbe de réparation, ça servira à rien, je vais lui donner au pire. Si on perd, on perd. Je vais pas me Reaper. Je pense pas que ça va arriver au Reaper parce que comme j'ai dit, j'ai pris tellement pas beaucoup de potions de heal. Je savais pas que ça prenait autant de dégâts avec ça. Donc regardez, il me reste une potion de heal. Fait que on va se le dire les amis, on est vaincu ici. On est vaincu les amis. Mais c'est pas grave, c'était un bon combat. J'ai juste mal pris ou mal choisi mes items plutôt. Puis avec sa fire aspect, il nous a bien eu. Donc. En fait, on pourrait sauter dans un AP, genre ici. On n'a plus l'anti-shit. Je pensais qu'on avait l'anti-shit, on l'a plus. Oh là 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 là, c'est pas grave les amis. GG à toi mon ami. GG. Et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi les amis. C'était Icon, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Opsify. Jusqu'à là, on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Ciao!